et bienvenue sur Junk on the Web. Je vous fais cette petite vidéo de présentation pour que vous sachiez un petit peu l'intérêt de cette chaîne et que vous appreniez à me connaître si c'est pas déjà le cas, ce qui doit être le cas de la plupart d'entre vous. Donc pourquoi Junk on the Web? Parce que mon pseudonyme sur internet depuis quelque chose comme... toujours, donc depuis que je dois avoir à peu près 15 ans, depuis que je suis sur internet, c'est Junkan. Ça s'écrit J-U-N-K-A-N. Le problème c'est que les gens ne savent pas toujours comment le prononcer. Moi je prononce Junkan, mais j'ai le droit des fois à Junkan, ou Junkan, ou Junkan, ou Junkan, des trucs comme ça. Bref, pour que ça soit plus simple pour tout le monde, j'ai décidé pour cette chaîne d'utiliser le petit diminutif affectueux que me donnent les personnes qui me connaissent depuis le plus longtemps sur le net, Junk. Même si du coup, ça donne un mot anglais dont la définition n'est pas vraiment les plus sympathiques. Mais du coup, ça tombe bien. Parce que sur internet, ce genre de choses, il y en a quand même un paquet et c'est le but de cette chaîne. C'est de parler de ce qui me marque sur internet, de ce que je vois, de ce qui me fait rire, de ce qui me donne envie de tuer des gens, ou ce genre de choses, mais vraiment ce qui me fait réagir. Donc toutes les semaines, je vais vous faire des petites vidéos en vous parlant d'un sujet en particulier qui m'a marqué. Donc ça peut être une polémique, ça peut être un tweet, ça peut être une personne, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi du moment que je l'ai trouvé sur internet. Je vous montrerai aussi un petit peu les choses qui me font rire, les petites conneries du genre gif animé, avec des animaux rigolos, ou des gens qui s'endorment, ou des choses comme ça. Bref, tout ce que je peux trouver, parce que je suis absolument fanatique de ce genre de choses et je passe beaucoup de temps sur internet à rechercher ce genre d'images. Et toutes les semaines, il y aura aussi un site que je vous conseille, soit parce que c'est extrêmement drôle, soit parce que je trouve que c'est une bonne cause, ou tout simplement parce que je trouve ça sympa. Donc tout va tourner un petit peu autour du net, mais les sujets peuvent être super variés. Le but c'est de donner un petit peu mon avis sur les choses qui font parler. Pas forcément les gros trucs qui font du gros buzz dont tout le monde parle, mais moi ce qui m'a marqué. Alors un petit peu plus de choses sur moi. Je m'appelle Laure, j'ai 27 ans. Ça fait bientôt 4 ans que je navigue sur internet en tant que blogueuse beauté. Comme beaucoup de monde sur internet, j'ai 2 chats, Hippie et Tango. En fait j'en ai 3, il y a aussi Bulle, mais ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'elle s'occupe de ma grand-mère, ou l'inverse. Il est possible que vous les voyez de temps en temps dans mes vidéos, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont quand même des bonnes têtes d'ahuri, ça serait quand même dommage de s'en priver. En dehors de ça, je suis un petit peu comme tout le monde, comme tous ceux de ma génération, je suis complètement accro à internet. J'aime manger, j'aime le thé, j'aime la musique, j'aime les séries télé, j'aime le goût du smecta. J'aime le goût du smecta... Bon, ok, ça c'est peut-être pas comme tout le monde, mais c'est véridique. J'adore chanter en voiture et je fais toujours bien attention de tapoter sur mon volant en même temps et de bouger la tête pour que les gens devant moi qui m'en regardent dans le rétro voient que je chante et que je ne suis pas en train de me parler toute seule. Parfois aussi je dis des mots anglais à la place des mots français, je sais que c'est très agaçant pour beaucoup de gens, mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Quand il y a des fois on trouve pas les définitions, on a exactement la définition du mot anglais, le mot anglais colle mieux. Donc si jamais ça vous plaît pas, sachez que ça risque d'arriver. Et c'est comme ça. Je suis quelqu'un d'assez positif, souriante, je suis très taquine, j'aime bien me moquer des gens mais c'est jamais méchant. Et en contrepartie, j'ai beaucoup d'autodérision et j'ai aucun souci avec le fait qu'on se moque de moi en retour à partir du moment où ce n'est pas méchant, de la même façon que quand c'est moi qui le fais. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation, j'espère que ça vous aura donné envie. Si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. Il y a également une page Facebook et mon compte Twitter qui est celui que j'ai depuis... toujours, je vais pas en faire un autre. Vous allez avoir tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, donnez-moi vos commentaires si vous voulez et je vous retrouve très bientôt pour le premier épisode de Junk on the Web. Ciao ciao !